réhabiliter, c'est toujours un petit peu délicat de réhabiliter quelqu'un. L'idée pour moi, c'était vraiment de comprendre qui elle était dans la face sombre, dans la face lumineuse, de comprendre surtout comment s'était forgée sa légende noire, de l'en débarrasser et revenir au plus près possible de ce qu'était réellement Théodora. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle peut encore être une forme de modèle de femme forte, libérée, et un modèle pour les femmes surtout qui ont la volonté de s'extraire de leur milieu social pour pouvoir progresser dans une société qui est très difficile aujourd'hui, sans doute peut-être encore plus qu'elle ne l'était finalement au VIe siècle, puisqu'à l'époque de Théodora, le christianisme finalement lui ouvrait certaines possibilités. Théodora est née donc dans l'hippodrome de Constantinople au début du VIe siècle de notre ère. Elle fait partie d'une famille de gens du spectacle, donc ce qui était vraiment la frange la plus basse de la population à son époque. Elle va exercer le métier de courtisane, d'actrice, comme c'était le cas de beaucoup de jeunes filles de ce milieu. Elle va d'abord trouver un riche protecteur qui était gouverneur de l'actuelle Libye. Et après l'avoir quitté, elle va rencontrer un autre personnage extrêmement important, Justinien, le futur empereur de Byzance. Ils vont se marier ensemble et elle va régner à ses côtés pendant près de 30 ans. Byzance au VIe siècle, c'est un moment un petit peu particulier parce qu'on est à la charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est une société qui se voit comme la Rome orientale. Ils ont vraiment des racines culturelles profondément ancrées dans cette Rome qui est quasiment devenue mythique pour eux parce qu'elle a disparu depuis le Ve siècle, tout en ayant un héritage grec très prégnant. Et ils sont déjà passés dans le Moyen-Âge parce que le christianisme est devenu la religion majoritaire. Donc les derniers païens sont vraiment poursuivis par les chrétiens avec une extrême dureté, avec la nécessité de devoir se convertir. Donc c'est un paysage qui pour nous aujourd'hui nous paraît extrêmement exotique, complexe, mais qui est en fait vraiment une forme de finalité de ce qu'a été l'Empire romain qu'on connaît peut-être un peu mieux.